Oh, partout Tatis, c'est Obélix qui vous parle et on va commencer cette vidéo tout de suite par une glissade. Et salut, donc salut tout le monde, c'est Sky et c'est pas Obélix, hein, c'est voilà, merci hein, Obélix. Et donc dans l'épisode précédent, on a foiré littéralement les 2000 casques. On en a fait 1000, 1200, je crois, ça ne suffisait pas, donc il fallait qu'on commence. Et bah écoutez, on commence, c'est parti! Ah, mais je fais n'importe quoi! La musique, c'est pas du tout du Astérix, hein. Hop, aïe. Ah, oh, j'aurais pas dû sauter. Mais oui, moi bon, je l'ai quand même eu. Mais c'est incontrôlable quand tu sautes. Ah, le bouclier! Oui. Ouais! Là, c'est du bonus. C'est du bonus. Putain, vas-y, il court plus vite que moi quand je le joue, quoi. Oh non, fallait pas. C'est trop gentil. Il nous donne des lauriers comme ça. En fait, la glissade, on pouvait la passer, quoi. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer à ce jeu, ça se voit. Ah, il s'est mis là-bas. C'est quoi ce qu'il y a là-bas? Il y a un truc rouge qui brille là-bas. On va d'abord prendre le laurier. Est-ce qu'on peut monter là-haut? Parce que, tiens, en fait, tant que je contrôle Obélix, il doit y avoir des caisses qui sont en métal, donc vaut mieux les casser tout de suite avant de faire quoi que ce soit. Parce que si tu avances un peu trop loin, tu recontrôles Astérix tout seul. Il vaut mieux qu'on fasse des trucs avec Obélix tout de suite. Voilà, là je suis sûr de ne pas récolter d'autres choses. Alors, il y a des formations là-bas, donc on va éviter. Mon multiplicateur, je peux pas le garder jusque là-haut. Comment on fait pour monter là-haut? Attends. Attends. Il doit y avoir un truc là-haut, genre un laurier ou... Oh non, il y a un multiplicateur. Et il y a une bouboule aussi. Ah, mais oui, attends. On va récupérer le laurier. On va essayer de trouver les quatre boutons. Moi, je prends mon temps. Hein. Je prends vraiment mon temps pour explorer. Bah, alors. 2 sur 11. C'est beaucoup, 11. Il y a une dizaine d'étapes, je crois. C'est l'une des deux régions les plus grandes avec l'Égypte. Aïe. Merci. Ça va, on n'est pas venu pour rien. Bah, pourquoi il a explosé le truc? Alors, il va falloir ne pas, il va falloir utiliser ces quatre pylônes. Donc, il vaut mieux ne pas casser les pylônes en métal et les garder. Le mieux, ce serait de monter. Alors. Celui-là, on va le laisser entier. Celui-là, on en enlève un déjà. Il faut faire un escalier, en fait, c'est ça le truc. Donc, on enlève. Je pense que là, ça devrait aller. Ouais. On peut pas monter ici. Ouais, donc on va essayer de monter là-dessus. Ouais. Est-ce qu'on peut monter là?
On va réessayer. Hé! C'était facile! Parce qu'un casque, du coup, c'est 30. En fait, avec un multiplicateur, ben, si c'est x30, un casque normal, c'est 30. Et un casque en or, donc les casques de Centurion, c'est 300. Ça multiplie la valeur de base. C'est cool, non? Comment monter là-haut? Ah bah voilà. Pas de multiplicateur. C'est vraiment les multiplicateurs qu'il faut chercher. Alors. Un interrupteur, s'il vous plaît. Oh. Alors, il nous en manque un qui se trouve. Il serait pas là-bas par hasard? Si, il est là. Wow, aïe, ah purée! Aïe. T'as, ils m'ont laminé en quelques secondes. Oh non. J'espère qu'il n'y a plus à refaire tout le truc là. Non, c'est bon. Et mon argent? On est à 9000, c'est ça? Ouais. On va essayer de ramasser un petit peu quand même. Ah oh. On a déjà tout ramassé. Ouais. Aïe. Voilà ce qu'on essaie, voilà ce qu'on se prend quand on essaie d'aller trop vite. C'est vraiment, vraiment chiant les glissades. C'est pour ça que je le dis. C'est à cause de ces putains de bouboules à pic. Au moins on peut tout ramasser. En sautant, on va beaucoup plus vite. Pour ça que je saute comme un dingue. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ça donne le tournis, hein. Freine. Putain, j'arrive pas à choper ce bouclier. Aïe! Du coup, on a déjà tout fait ici, hein. Il nous manquait un bouton là-bas. Surtout pas toucher ça parce que vous voyez que ça fait hyper mal. Et nous ne sommes pas invincibles contrairement à la BD. Ah merde, il faut les tuer tous les trois. Comment? Ouh! Aïe aïe aïe! Vous voyez comment ça fait super mal?
Comment on fait? Ah bah voilà. On attend qu'ils finissent de bouger quand même parce que j'ai pas envie de m'en prendre une autre. Bon ça va, ils ont pas compris qu'on était à l'intérieur d'eux. Les formations en donuts, c'est facile. Et en plus, vous voyez, ils servent de trampoline. Et ils sont vraiment costauds, vraiment très très costauds ceux-là. C'est les pires. Et maintenant, je veux la récompense. Allons-y. Un laurier. Bon, pourquoi pas. J'avais dit que je les ferais pas, mais écoutez. C'est mieux que rien. Bah, du moins, ceux que je trouve sur ma route, je les prends. Hein. Après, ceux qu'il faut chercher... Non, moi, je cherche pas. Parce que j'ai cru que c'était du scénar, quand même. Parce qu'il y avait trois trucs, là. En fait, on pouvait vraiment s'en battre les couilles et avancer, quoi. Voilà. On reprend le contrôle de Alexandre... comment il s'appelle? Astérix, voilà. Putain, j'ai oublié. Reviens ici. Parce que là, il m'emmène vers son chef. Nous y sommes. Dans leur camp. Ah non, c'est pas un camp. D'accord. C'est juste quelques Romains comme ça. Ah, là-bas, il y a un bouclier. Je le veux. Oh merci. En plus ça redonne de la vie je crois, ça heal. Oh non, la torche. Oh il y a du vent. Il y a de nouveau le truc avec le vent. Oh c'est horrible. C'est pour ouvrir ce que... Ouais. C'est pour aller là-bas. Écoutez d'abord on va aller ici. Oh. Des multiplicateurs. C'est bien ça. Allez, le casque en or. Je veux le casque de centurion. Ben écoutez, on va aller faire la torche. Il y a un baril de poudre là à l'extérieur. Bah prends. D'accord. Il y a du vent, vaut mieux pas y aller. Bon, go! Le vent souffle. Ah, mon feu va s'éteindre! Ah! Non! Oh, en plus, il y en avait un ici, deux trucs là. Oh là là! Ensuite, il y en a un jusque là-bas. Je pars en repérage. Ouais d'accord, j'ai bien fait de partir en repérage. Putain mais ils ont combien de pieds les archers là? C'est quoi le délire? Putain, les petits soldats de merde, ils ont moins de vie qu'un archer quoi. Un archer de merde. Non mais SVP. Un archer, c'est pas censé être costaud. Merci, mais j'aimerais bien récupérer mon bouclier. Je nettoie un petit peu la zone quand même avant de venir ici. Ce serait beaucoup plus sympa d'avoir quelque chose de clean. Et voilà. Pourquoi il faut toujours que je tombe sur les multiplicateurs en dernier? On va aller prendre la torche. Peut-être pas partir maintenant parce qu'il va y avoir du vent. Donc là il y a du vent. Le vent s'est calmé, vite.
Dépêche-toi, dépêche-toi. Voilà, tu vois, c'est instantané. Dès que tu vois ces particules, tu sens qu'il y a du vent, tu vois. Allez, on y va d'un coup, on y va d'un coup. On est des warriors. Y'a quoi là-bas? Y'a rien. Wow, y'a des Romains. Ah, dont un archer. Oh là là. Bon, allez, c'est tombé. On va d'abord les affronter. D'accord, il faut que j'arrive jusqu'ici, très bien. On va reprendre depuis là-bas. Alors, le brasier est ici. Allez, dégage le vent! Dégage! Dépêche-toi, j'ai plus de feu! Oh non! Parce que là, le temps que j'y vais, plutôt. Allez, là, je pense que je peux tout faire d'un coup. Putain, mais c'est long le vent. C'est vraiment trop long. Attends, je remets du feu. On s'en fout, on y va, on est des warriors. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Parce que je peux directement le faire là-dedans. Puisque de toute façon, on va jeter. Ah non, il jette pas la torche. Ah bah oui, il y en a encore besoin pour là. Et logiquement, là, il va la lancer. Non, il en a toujours besoin. Ah oui, y a des barrels de poudre là-bas. Où est le... Là. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah. Pas vrai ça. D'accord. J'adore, il a marché sur les arbres. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Écoutez, je suis tout ouïe pour ça, hein. Il est là. Bon, pas très caché tout ça. Hein. Allez les gars. On va donc se précipiter sur ce téléporteur. Enfin, cette catapulte. Honnêtement, moi je dis c'est automatique ce truc là. Ou alors la célébrissime phrase, ta gueule c'est magique. Attends. C'est juste pour passer de l'autre côté? Putain, on a l'impression que tu... On a l'impression que tu vas sur le... je sais pas quoi. Oh non! Une guerre!
51. Ok, bah écoutez, il n'y en a plus que 50. Hein. Là, là, là. Ça fait... Alors, hop. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Le combo du marteau. Marteau pilon, c'est ça? C'est le combo du quoi? Marteau pilon. Aïe. Oh non, il y a encore une formation. Ils m'ont eu. Et pourtant, j'ai essayé de bouffer du sanglier. J'ai essayé. On va retenter le coup. Oh, mais s'il me spam dans la gueule dès le départ, non, ça va pas aller. Mais vivement que j'ai le combo twister. Vous allez voir à quel point ça va être mais n'importe quoi. Il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Une vie, une vie. Quarante-trois, il en reste. Ah, mais les problèmes, c'est les centurions. Non, 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 non. Oh, les gars, ça va être dur. Attendez qu'à l'épisode 3, et c'est déjà trop dur. Allez. Oh, GG. Faudrait peut-être qu'on se garde les centurions pour la fin. Je sais pas. Non, 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 non. Oh, mais non, j'ai touché une... J'ai touché une cuisse de sanglier, c'est pas juste. Oh là, ça va être saoulant, les gens. C'est relou.
Non! Aïe! Il est bloqué par la souche, il est bloqué par la souche! Oui! Non! Non! J'ai les deux! Ouais. Ah, aïe! Oui! Il y en a tout plein. Ah, si j'avais su. Mais non. Waouh, j'ai failli mourir. Oh purée, merci la vie, parce que là je crois que je sais pas ce que j'aurais fait. Où ils sont là les 5? Oh yes. Oh, laurier! Comment on fait pour le choper? Wow! Bonjour! Oh, purée! Eh, ce combat était difficile. Vraiment difficile. Ah, un 15% c'est mérité. Y'en a pas encore un peu là? C'est mérité tout ça. Parce que là, honnêtement, je ressors d'une grosse bataille. Et comment je fais pour choper le... On va essayer... Ah, écoutez. Ah ah. Étape 3, les amis! Nous sommes à l'étape 3! Ça y est! Ouais. Ah, depuis la grotte, on peut la voir. Nous sommes à l'étape 3. Après cette grande bataille, qui fut longue et ardue. Eh bien, écoutez, nous allons écraser. Et continuer l'aventure à... On va récupérer le laurier qui est là-haut. Tant qu'on le voit, bah écoutez. Bah autant continuer. Hein. Alors, j'analyse le système. Oh non, le truc à cordes. Un truc à feu aussi. Mauvaise caisse. Ah! Oui, d'accord, j'ai compris. Il faut que je me dépêche d'aller là-dedans. Et Obélix va les casser. x55? Mais quoi? Vite! Dépêche-toi! Là! Des caisses! Trop tard. Ça aurait été du 55. Bon, ben tant pis. On a toujours pas jeté la torche, hein, au passage. Ah bah tiens, on le récupère quand même. Ah, c'est un truc en scénarium, là, c'est pas possible. Dites-moi qu'on a plus... Oh putain. Tant qu'il jette pas ça, ça veut dire que c'est pas fini. On en aura toujours besoin. Elle va s'éteindre. Plus loin, tu trouveras une porte infranchissable fermée à double tour. Eh ben, on l'a fait péter. Reviens me voir quand tu auras récolté les casques que je t'ai demandé. Alors, je t'aiderai. 750. Oh non. Non, s'il vous plaît, non. Non, non, pas ça. De nouveau une grande bataille. Vous êtes prêts? Il y a des multiplicateurs. Je vois un x10. Je vois un bouclier. Je vois des x3 sur le côté. Je pense que si je totalise le tout,
On peut arriver à x 3, 6, 9, 19. Mais il faut que je récupère le tout. Allez, c'est parti! Avec ta musique pas du tout Astérix. Ah non, c'est un bouclier, d'accord. Wow! J'ai déjà tout! J'ai déjà tout! Bah, c'était facile. Tu as été extraordinaire. Il faut que je nettoie la zone ou pas? Tu as ramassé tous les casques. Du grand art. Je t'ouvre le passage. D'accord. Les troupes d'élite de César viennent de passer par ici. Elles sont juste à côté. Elles transportaient plusieurs de vos amis dans des cages. Ah non, pas celle-là. Et du coup? Ah, ils ont tous disparu. On va quand même casser les caisses, hein. Les fois 10, les fois 10, les fois 10. C'était rapide, hein. Même les petits casques qui n'ont pas grand intérêt ont beaucoup d'intérêt avec ces fois 20, fois 10, etc. Vous voyez que c'est super utile hein, les bonus dans ce jeu. Ils savent ils ont su en faire des véritables bonus quoi. Et au fait, d'ailleurs, vous voulez savoir ce qu'il y a à cette porte? Vous voulez savoir? Eh ben vous serez dans le prochain épisode. Et oui, parce que c'est la fin de l'épisode. Nous sommes à 32 minutes. Et oui. Oh dommage, je sais. Mais ne vous inquiétez pas. On continuera. La prochaine fois, sur ce, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez adoré cette vidéo et si vous en voulez toujours plus. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine, partout à 10.